Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo du concours de dessin. Je sais, je suis vraiment désolée. Ça a vraiment pris longtemps avant que je la fasse la vidéo, mais bien sûr, comme vous le savez, j'ai fait une pause et je pouvais pas faire d'autres vidéos d'Animal Jam parce que j'avais comme plus le courage puis ça me tentait plus, mais je suis là. Tout va bien. Et voilà, je reviens avec la vidéo du concours de dessin. Donc, excusez-moi. Donc voilà, j'ai reçu plein de dessins, voilà. Et voilà, je vais tous vous les montrer. Le dessin de... Voilà, je sais pas comment le prononcer. Mais voilà, et, il est extrêmement beau. C'est le premier que j'ai reçu et j'ai... Voilà, il est juste trop trop beau. Et, donc, juste te félicite et... cette fille-là a des grandes chances de gagner. Je sais même pas encore c'est qui va gagner parce que je sais pas. Ils sont tous trop beaux. Donc je vais dessiner pendant je vais dessiner pendant la vidéo. Deuxième dessin de Madison. Donc je crois que c'est moi. Oui c'est moi, mais je crois que je suis en train de me faire filmer. Donc j'aime beaucoup l'originalité de ce dessin. Je sais pas, j'aime vraiment comment le bonhomme a été fait. Donc voilà, merci Madison. Numéro 3, là, ce dessin-là, je l'aime juste tellement, il est comme tellement beau. C'est Rebecca qui l'a fait et il est trop mignon. C'est mes familiers, c'est mon familier préféré, en fait, mon kangourou avec ma petite demande religieuse. Donc c'est mes familiers préférés, puis elle a décidé de dessiner. Elle a décidé de dessiner mes familiers. Donc, c'est vraiment une bonne idée. Il est vraiment mignon. Merci. Oh mon dieu. La capture d'écran est vraiment trop grosse. Ça, je sais plus qui l'a fait. Je suis vraiment nouille parce que j'ai comme... J'ai pas écrit... J'ai même pas dit genre... Oh mon dieu. J'arrive plus à parler. J'ai pas noté les noms des personnes qui avaient fait les dessins, donc je sais juste plus qui les a fait. J'ai réussi à en retrouver quelques-uns, mais je sais plus c'est qui a fait celui-là. Mais je sais que la vidéo est sur YouTube, si vous voulez aller la voir. Marquez dessin pour Susan, puis vous allez la voir. Donc, en tout cas, merci beaucoup. C'est très original, c'est pour ma fête de 340 abonnés. Merci beaucoup. On va répondre aux petites personnes. Ok, donc voilà un autre dessin. Lui, il est juste trop, trop joli. Comme, je l'aime tellement. Voilà, il est juste trop beau comme tout. Tout est trop beau, comme les reflets, et comme le faucon est trop bien fait. Je crois que c'est... je l'ai quelque part par ici dans, dans mon Gmail. Donc voilà, il est juste trop beau. Merci beaucoup à la personne qui me l'a dessiné. Dessin de Nico Wolf, il est trop original. Mais quand je vous dis original, c'est dans le bon sens, hein, croyez pas. En tout cas, autre chose. Donc voilà, j'aime beaucoup l'originalité du dessin. Il est vraiment bien fait. Merci beaucoup Nico. Et elle me l'a fait d'une deuxième couleur aussi. Donc là, je suis tombée en amour avec, il est trop, trop cute, sérieusement. Je sais pas, mais je l'aime tellement, là. Je sais pas, l'écriture, comme, la couverture, c'est comment il est fait, comme, il est trop beau. Merci Vita, là, il est super. Donc, le dessin de Crystalis, mon frère. J'aime le style du dessin. Merci beaucoup, Chris. Je sais plus c'est qui m'a dessiné ça, mais je sais que j'ai trouvé sur YouTube, donc je vais être capable de retrouver la personne qui l'a fait. Merci beaucoup, j'aime l'originalité du dessin, genre avec des petites taches de peinture, je crois que c'est ça. Merci beaucoup, je le trouve très beau. Lui, sérieux, il m'a vraiment fait rire. Petit cochon kawaii. Merci beaucoup. La personne qui me l'a fait, je le trouve très cute. Donc, merci beaucoup à celle-là qui me l'a fait. Je le trouve très, très mignon. Ça aussi, c'est la même personne qui m'a fait le faucon. On voit, c'est la même signature. Donc,
Voilà, il est vraiment trop chou. J'aime genre la fourrure genre bleue avec des paillettes. Je trouve ça trop, trop chou. Donc, merci beaucoup. Il est vraiment trop beau. Dessin de Pop Cerise. Il est trop, trop beau. Je sais pas si je dois t'appeler maintenant Pop Cerise ou genre Étoile Blanche ou je sais plus c'est quoi le nom. Mais... Donc, bon, je t'appelle Pop Cerise. Trop. Il est trop mignon. J'aime trop comment elle le fait. Merci beaucoup. Il est juste trop beau. Je sais que j'ai trouvé lui aussi sur YouTube. Donc, j'aime beaucoup le style du dessin. Merci beaucoup la personne qui l'a fait. Sérieux, lui, il est trop chou. Ah, mon Dieu, sérieux, là. Il est trop mignon celui-là. Donc, j'aime tellement comment elle a fait, genre le petit style, genre, je sais pas, là, je trouve ça un peu kawaii. Ou je sais pas, mais il est trop mignon. Merci beaucoup. Lui, c'est un des meilleurs que j'ai reçus, là. Il est comme vraiment beau, là. Vous avez tellement des beaux dessins, je sais vraiment pas qui choisir. Donc, si je choisis pas celui-là, je te dis juste vraiment merci la personne qui me l'a fait parce que il est vraiment, vraiment beau, là. Donc, merci. On arrive dans les derniers dessins. Donc, ma meilleure amie est une de mes meilleures amies. Hein, j'en ai plusieurs. De Kamiku. Kamiku, je sais que je t'ai fait de la peine hier. Juste, les personnes, je sais, vous allez me dire, ben là, elle va pas me parler de sa vie. Mais non, c'est juste m'excuser parce que je crois que je l'ai blessée hier. Donc, voilà. Petite annonce. Voilà. Donc, merci beaucoup. Il est vraiment cute. Ça, je crois que c'est. Oui, ça, c'est encore un dessin de Vita, la même qui m'a fait mes petits familiers ici. Donc, merci beaucoup. Et le dernier dessin, c'est une genre d'étoile filante. C'est très original. Merci beaucoup. C'est très original comme dessin, dans le bon sens encore. Merci beaucoup. Là, il y en a un que je suis vraiment sûre qu'il va gagner. Parce que dès que je l'ai vu, j'ai comme fait, oh mon Dieu, il va être dans les gagnants. Parce qu'il était trop beau puis trop original. Donc, roulement de tambour. Ok, tout le monde, êtes-vous prêts? J'ai pas entendu! Êtes-vous prêts? Bon, ok, ça va être assez. Et voilà, la première gagnante, c'est Rebecca. Dès que je l'ai vu, j'ai trouvé trop chou, là, sérieusement, d'avoir fait mes familiers. Il est trop chou. Donc, merci beaucoup. Donc, dis-moi en commentaire, Rebecca, qu'est-ce que tu veux comme dessin? Je te le ferai dans les prochaines semaines à venir. Désolée, hein, ça va être dans quand même longtemps, mais vous savez tous que j'ai pas beaucoup de temps pour faire mes vidéos, mais je te le promets, là, je le ferai. Donc, voilà, il est trop mignon. Bravo, Rebecca. On passe à la deuxième personne. Ok, tout le monde, êtes-vous prêts à voir le deuxième gagnant? Ok, non, c'est pas vrai, je vais pas vous faire durer le suspense plus longtemps. Tada! Gagnant numéro 2. Désolée aux autres, hein, mais lui, c'est vraiment. Je sais pas, j'aimais trop le style, j'ai trouvé trop beau. Désolée aux autres, hein, ils sont magiques vos dessins, surtout ces deux-là, ben, gars. Ils sont tous vraiment beaux. Je suis désolée hein, de ceux qui n'ont pas gagné. Merci beaucoup d'avoir participé. Donc voilà, les deux gagnantes sont Vita95 et Rebecca. Donc voilà, dites-moi Vita et Rebecca, qu'est-ce que vous voulez comme dessin et je vous le ferai. Merci beaucoup aux deux et voilà, merci à tous d'avoir participé et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!